C'est l'ambiance du Congolais, ça règne ici. Donc on est à Matongé, donc à plein Matongé, donc à plein Litonge, donc ça roule. Le quartier Matongé, ça vient de Kinshasa. Et ici, c'est surnommé encore Matongé parce qu'il y a plein de Congolais ici, plein de Kinois ici. Allez, tout le monde fait comme ça. Quand on joue, il n'y a personne qui va rester comme ça sans bouger même son doigt. Même ton doigt va bouger. Les concerts qu'on joue à Bruxelles, c'est toujours chaud, c'est plein, c'est sold out toujours. C'est quartier général pour nous. La FNP, c'est stylé. Inventer les instruments, c'est l'inspiration. C'est créer, après créer, c'est aussi apprendre à jouer. C'est les instruments qui viennent de nous, qui se trouvent nulle part ailleurs que chez nous. Les inspirations de créer les instruments, ça vient de gauche à droite parce qu'à Kinshasa, c'est une ville trop sonore. Quand tu es à Kinshasa, même les yeux fermés, tu peux savoir qui est là, le vendeur d'œufs avec les élastiques, le vendeur de vernis, tu sais s'il est loin, s'il est près, s'il est à gauche, s'il est à droite, même si tu n'as pas regardé encore. Le bruit là, ça nous rentre donc, c'est l'inspiration directe. Kinshasa, c'est la capitale, son nom africain quoi. Tout Congolais, quelle que soit son origine ou son niveau d'études ou quoi que ce soit, il a quand même les notions de la musique. Il peut te créer quelque chose en un rien du temps et tu t'étonnes. C'est quelque chose vraiment de naturel. Nous, on ne force rien, c'est de naturel. La coiffure aussi, ça fait partie de la beauté. Ouais. L'homme est naturellement beau, mais c'est la coiffure qui amplifie la beauté. Moi, je suis l'amplificateur de la beauté. Wow. Le quartier Matongé en Kinshasa, c'est chaud. Hein. Il y a des bars partout, il y a l'ambiance, donc c'est pareil comme ici.